Добро пожаловать в мой канал. Édouard de Philippe à droite, ici en conversation avec Jean-Paul Nau, maire de Notre-Dame-des-Landes, Matignon-Ouest-France. Le Premier ministre Édouard de Philippe a effectué une visite surprise et éclair ce samedi matin sur le terrain. Il est arrivé tôt à la mairie de Notre-Dame-des-Landes. Certains habitants l'ont aperçu, il commente, Édouard Philippe est arrivé vers 8h30 à la mairie. On a vu les voitures. Il est reparti très vite, raconte, un brin ironique, un habitant du bourg de Notre-Dame-des-Landes. Il habite en face de la mairie et n'a guère envie de s'épancher. Le Premier ministre qui se déplace ici, on n'en fait plus qu'à. Vivement que ça se termine tout ça, il est 10h30 et, à l'hôtel de ville, le maire a déjà filé vers un autre rendez-vous. Hier soir seulement il a su qu'Édouard Philippe lui rendrait visite, c'est bien qu'il vienne, une jeune femme, accompagnée de son bambin, se gare à bicyclette devant la poste. Elle apprend sans surprise la venue éclair du Premier ministre. Et approuve, c'est bien qu'il vienne chez nous. Même si on sait que la décision est déjà prise. Elle habite à un km du bourg, ne veut pas que l'aéroport se fasse sur les terres landaises, on aime notre campagne, mais plaide pour l'évacuation des zadistes. Il donne une mauvaise image de notre commune. De l'autre côté du trottoir, deux habitantes bavardent dans le froid mordant, l'une d'elles a appris la visite de Édouard de Philippe ce matin, les mains dans la vaisselle. Ça la fait sourire, tout ça, c'est fait exprès pour brouiller les cartes. C'est la dernière ligne droite. Ils vont voir les anti-aéroports et les pros pour ménager la chèvre et le chou. Comme ça, on aura la surprise de la décision finale à la dernière minute, analyse Placide, l'octogénaire. Sa voisine, une ex-parisienne installée à NDDL, pour la tranquillité, estime que le Premier ministre aurait dû convier les habitants de NDDL à une vraie conversation. La quinquagénaire regrette également tout le foin autour de la commune depuis des années, tout le monde croit que c'est la guerre ici. Mais c'est pas vrai. Ici, c'est calme, on vit en paix.